fait. Vous avez amené votre guitare, vous avez amené un autre guitariste avec oui, vous. Un collègue. Donc, vous êtes ici également pour nous présenter deux chansons. Oui. Un petit pot pourri de okay. Plus rien n'existe. Oui. Et après ça, la deuxième chanson de votre album, de votre EP qui s'intitule Mélissa. Oui. Donc, on vous écoute, messieurs. Merci.
Merci. Mais je peux pas laisser les artistes partir sans que je leur pose une très simple question. Jirel, ben en fait, c'est deux questions. Okay. Par journée de temps gris, quel genre de chanson est-ce que vous écoutez? Quel est votre plus grand succès qui vient faire peut-être un petit bombe sur le cœur par journée comme aujourd'hui, dans le fond? Ah, j'écoute pas mal de musique, en fait. Comme j'aime beaucoup la... comment ça s'appelle déjà? C'est... Bon, en fait, pour l'instant, j'écoute du Sherazade, en fait. Okay. C'est une troupe... qui est passé à Montréal. Oui. Voilà, le mille et une nuits. Il y a de très belles chansons là-dedans. Mais j'aime beaucoup aussi les musiques des années 40, 50, comme Only You ou I Got Sunshine. C'est des chansons que j'aime beaucoup écouter durant ce genre de temps gris, en fait. Un peu de jazz à travers ça, j'imagine. Un peu de jazz, oui. Ouais. Et au contraire, par journée de soleil extraordinaire, qu'est-ce qui vous fait plaisir? OK. Olé, ma compagnie créole. Non, les chansons qui bougent beaucoup, en fait. J'aime beaucoup. J'ai pas un titre en tête qui me vient comme ça, mais beaucoup. La compagnie créole met beaucoup de soleil, en fait. C'est ce qui conclut l'entrevue. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup à toi, Alex. Et on se